chère Église, bonjour et bienvenue également à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Restez connectés, le meilleur est à venir. Je vous avertis, Pasteur Gaétan est en feu ce matin. À chaque dimanche, je sais que vous êtes des centaines à nous écouter, un peu partout au Québec et même ailleurs euh, au Canada et dans d'autres pays. Donc ce matin, prenez le temps de nous écrire. Vous êtes de où euh, Dites-nous donc en calèche. Vous êtes combien là, dans votre salon en pyjama à nous écouter on poursuit dans quelques instants la thématique Anticor avec Pasteur Gaétan, mais juste avant, on va aller chanter un chant qui est en fait devenu une réalité pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. On est passé de l'ombre à la lumière. Merci. Lumière, 1, 2, 3, 4! bon matin Église de Portail encore une fois, c'est un privilège pour moi d'être là, de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus, même si j'aimerais mieux le faire avec une église pleine, les yeux dans les yeux, on va le faire le cœur sur le cœur, donc... Ce matin, c'est le deuxième message d'une série qu'on a commencé la semaine dernière. En fait, on la commence vraiment ce matin je l'ai introduite la semaine dernière. Une série qui se nomme Anticorps. On a vu que l'Église est le corps de Christ. C'est une image qui revient beaucoup dans la Bible. Et le Saint-Esprit est en quelque sorte l'anticorps de l'Église. Dieu a pourvu l'Église d'un système immunitaire, produisant des anticorps spirituels pour défendre l'Église, détecter et détruire ce qui attaque le corps de Christ. Donc, euh, le Saint Esprit, est notre défenseur. D'ailleurs, même hein, quand on voit le Consolateur ou le Paraclet, certains vont traduire le défenseur. Le Saint Esprit est notre système immunitaire, et le Saint Esprit détecte dans l'Église ce qui ne fonctionne pas. Donc, lorsqu'il voit dans nos vies de l'idolâtrie, lorsqu'il voit de l'hérésie, lorsqu'il voit le compromis, lorsqu'il voit l'anarchie, le Saint Esprit non seulement détecte. Mais apporte un remède spirituel à ces choses. Donc, le Saint-Esprit remplace l'idolâtrie, puis c'est un peu ce que j'ai parlé la semaine dernière. Euh, j'ai pas mentionné le mot idolâtrie, mais l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose au centre de nos vies à part Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit voit que quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, il se met à l'œuvre et il veut justement remplacer cette idole en remettant Jésus à sa place. Lorsque le Saint-Esprit voit l'hérésie, je vais en parler ce matin, euh, il veut remplacer l'hérésie par la vérité. Lorsque le Saint-Esprit voit le compromis, il veut remplacer le compromis par la sainteté. Lorsqu'il voit l'anarchie, il veut remplacer l'anarchie par l'unité. Et ce matin, on va parler du premier virus spirituel qui attaque l'Église depuis 2000 ans, mais particulièrement. En cette année 2021, on va regarder dans le mois de janvier plusieurs virus. Et le premier virus, c'est une maladie. Et la Bible parle de cette maladie. Et l'apôtre Paul parle de littéralement la maladie des débats. La maladie des débats. Euh, et la Bible nous dit, et c'est Paul qui va dire, évitez les débats sans fin. Vous savez, les chrétiens, quelquefois, on, on aime débattre, mais à un moment donné, s'il n'y a rien d'utile, de productif qui sort de nos débats, et ça devient un sujet de dispute. Euh, J'aime démontrer que tout a toujours rapport avec Jésus dans mes messages, sur les réseaux sociaux. Ça m'amène à prendre position sur plusieurs sujets délicats. Je vais toujours le faire avec respect, je vais toujours le faire pour glorifier Dieu, toujours le faire pour mettre Jésus au centre. Mais dans la dernière année, les attaques les plus virulentes que j'ai subies sont liées à des sujets secondaires. Est-ce que tu sais quels sont les sujets qui ont suscité le plus de polémiques dans la dernière année on ne parle pas d'inspiration de, de la parole de Dieu, on ne parle pas de la divinité de Jésus, on ne parle pas de salut par grâce. Les sujets qui m'ont valu le plus d'attaques, c'est lorsque j'ai dit, vous savez, le masque, respirons par le nez, Jésus est encore sur le trône, j'ai reçu beaucoup de critiques. Euh, la marque de la bête, vous savez, il y a un passage qui parle de la marque de la bête, euh, je crois à la marque de la bête, c'est juste que dans l'histoire de l'Église, on a une interprétation différente. Très, on a une interprétation très différente de ce qu'on a présentement. Des gens m'ont accusé de travailler pour le diable, d'être l'Antichrist. Euh, les élections américaines, j'ai simplement dit que notre Seigneur n'était pas, pas le président américain, mais Jésus. Si tu savais les attaques que ça m'a amené, euh, un des sujets qui a fait exploser ma page Facebook, c'est le sabbat euh, et tout dernièrement Noël où des chrétiens m'ont accusé d'être un mauvais pasteur, même un hérétique, parce que je disais qu'il n'y avait pas de problème à célébrer Noël et à glorifier la naissance de Jésus. Donc, ces sujets nous font réaliser que les chrétiens évangéliques, présentement, mais particulièrement en pandémie, il y a une maladie qui ronge le corps de Christ, qui est la maladie des débats. Et la solution, l'antidote contre cette maladie, c'est de faire un triage. Théologique. C'est Albert Muller qui va dire un peu comme dans le milieu médical. Je profite de l'occasion pour euh, juste lever mon chapeau à toutes les infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, médecins du portail qui travaillent fort. Encore une fois, bravo, on prie pour vous. Le Seigneur est avec vous. Merci de ce que vous faites. Et dans le milieu médical, il y a ce qu'on appelle le triage. C'est-à-dire, lorsque tu arrives à l'urgence, tu vas pas passer immédiatement. On va trier. Si tu as mal au coude, c'est pas la même chose que si une fracture du crâne. Si tu as un doigt cassé, ce n'est pas la même chose que si tu as une hémorragie interne. On fait un triage pour déterminer la priorité. Les chrétiens, et tu dois apprendre à faire un triage spirituel, théologique, pour déterminer dans tes croyances ce qui est prioritaire, de ce qui est secondaire, de ce qui est tertiaire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment justement faire ce triage, euh, comment s'assurer de mettre l'accent sur les bonnes croyances et de respirer par le nez pour les autres croyances. Donc, sans plus tarder, si tu as ta Bible, première épître de Timothée, sixième chapitre, où nous allons voir l'anticorps contre la maladie des débats. Verset 3. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Donc, ce matin, je fais un Timothée de moi-même, je fais ce que l'apôtre Paul dit. Voici ce que je veux t'enseigner et te recommander. Si quelqu'un propage d'autres enseignements, hein, les autres enseignements, c'est des enseignements que tu prends sur Internet que tu ne prends pas dans ta Bible. Et ne suis pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul dit le plus important, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Donc, si quelqu'un ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus, l'enseignement conforme à la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est non seulement préoccupé à ce que tu défendes la vérité chrétienne, mais tu dois le faire avec une attitude chrétienne. Un chrétien qui défend une vérité chrétienne avec une mauvaise attitude chrétienne, tu annules la vérité. C'est-à-dire, tu perds toute influence. Et Paul dit, non seulement c'est important d'avoir la vérité, mais tu dois le faire de manière conforme à la piété, c'est-à-dire à la pratique, à ton comportement, à ton caractère. Je continue. Donc, si quelqu'un ne suit pas les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des débats et des querelles de mots. De là naissent l'envie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables de gens d'intelligence pervertis, privés de la vérité. Jésus a fait une prière. Et cette prière, il a fait plusieurs prières, mais une prière que Jésus a faite, elle est très spéciale. Il a prié pour l'unité de l'Église. Dans Jean 17, Jésus a dit, Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Et Jésus va dire dans le même chapitre, dans la même prière, comment Dieu amène l'unité dans l'Église. Il va dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des convictions, mais qui amènent la division dans le corps de Christ. Frères, sœurs, amis, ne sois pas cette personne-là. Nous devons être des gens convaincus, mais ne sois pas celui qui amène la division autour de toi dans ta famille et dans l'Église. Et Paul continue en disant Ô oh, Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides et profanes, donc les discours qui sont inutiles, profanes, qui sont influencés beaucoup plus par des idéologies séculières du monde que par la parole de Dieu. Il va dire évite ça et les contradictions de la pseudo-connaissance. Voici l'antidote de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois rejeter, il y a des choses que tu ne dois pas débattre, il y a des choses auxquelles tu ne dois pas t'attacher. Tu peux avoir ces convictions-là, mais tu dois mettre l'accent sur ce qui est vraiment, vraiment, vraiment prioritaire. Et c'est ce qu'on va voir. Tu dois réaliser que ta conviction personnelle n'est pas une doctrine. Écoute-moi bien. Ta conviction personnelle n'est pas une doctrine universelle. La Bible nous met en garde contre les fausses doctrines. Maintenant, les théologiens dans l'histoire de l'Église vont établir qu'une fausse doctrine, c'est non seulement enseigner quelque chose de faux, comme par exemple de dire que Jésus n'est pas ressuscité, c'est une fausse doctrine. Mais ce n'est pas seulement ça une fausse doctrine, c'est non seulement une fausseté. Une fausse doctrine, c'est prendre un élément secondaire et en faire une doctrine prioritaire. Et on l'a vu beaucoup dans la dernière année. Par exemple, moi, je viens d'un mouvement où il était interdit pour les pasteurs de boire de l'alcool. Donc, lorsqu'on était ordonné pasteur, on devait reconnaître la seigneurie de Jésus, renoncer au péché, ne pas boire d'alcool. Donc l'alcool était mis au même niveau que la croix. Maintenant, la parole de Dieu Paul va dire que les chrétiens ont différentes convictions sur différents sujets. Dans Romains 14, il va dire, c'est quoi Il y a toutes sortes d'opinions. Même Paul va dire à un moment donné, c'est pas l'apôtre Paul avec toute son autorité va dire, c'est pas le Seigneur qui dit c'est moi qui dis. Puis il va même dire plus loin dans Philippiens, euh, en passant, si vous avez une pensée différente de la mienne, c'est correct, Dieu vous révélera en son temps. L'apôtre Paul acceptait que les gens soient en désaccord avec lui sur certains sujets. Maintenant, mon ami, je répète, ta conviction personnelle n'est pas toujours une doctrine universelle. Ce que tu penses sur le masque, c'est une conviction personnelle. Ce que tu penses sur le vaccin, c'est une conviction personnelle. Ce que tu penses sur Trump, c'est une conviction personnelle, c'est pas une doctrine. Ce que tu penses sur le sabbat, sur Noël, sur l'alcool, sur les tattoos, sur les boucles d'oreilles, sur les éléphants roses, il y a beaucoup de choses que la Bible n'enseigne pas explicitement, et ça peut être une conviction, ça peut être une bonne conviction, mais tu ne peux pas l'imposer aux autres parce que tu en fais une doctrine. Et c'est la première chose pour ne pas permettre à la maladie des débats de prendre place dans nos vies. Maintenant, en introduction, pour terminer cette introduction, je vais juste te dire, ce qui manque aux chrétiens présentement, c'est l'équilibre. Quand tu regardes un boxeur, okay, je ne suis pas un bon boxeur, mais euh, est-ce que tu as remarqué que le boxeur, c'est non seulement celui qui frappe, mais pour, son, pour que son punch ait un impact, le jeu de pied est vraiment important. Pourquoi? Il faut qu'il soit équilibré. Sans jeu de pied, sans équilibre, aucun impact. Maintenant... Beaucoup de chrétiens ont des croyances qui impactent les gens autour d'eux, mais tu as besoin d'équilibre, tu as besoin de nuances. Et il y a deux choses, deux extrêmes portails qu'on doit éviter. Premièrement, nous devons éviter le danger du sectarisme. Il y a des gens qui combattent sur tout. Ils mettent la vérité en haut de l'unité. Jésus a dit, comment le monde va reconnaître qu'on est ses disciples? Pas par la vérité qu'on va prêcher, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Il y a des gens malheureusement qui sont si ne pensent pas comme eux sur le salut, sur les dons spirituels, sur le ministère de la femme, sur la création, sur le millénium. Il y a des gens, ils ont de, tellement de croyances, c'est bien d'avoir des croyances, mais des croyances tellement précises que tu juges tellement fondamentales que tu es presque en relation avec aucun chrétien parce que personne n'est tous assez bien. Pour être en relation avec toi. Il y a des gens qui m'écoutent, même l'apôtre Paul n'est pas assez fort en théologie pour accoter tes croyances. Et le deuxième danger, qui est très présent dans le monde évangélique, c'est non seulement le. je parlais du boxeur, le, le sectarisme, mais c'est le minimalisme. Il y a des chrétiens qui combattent sur tout, mais il y a des chrétiens qui combattent sur rien. Il y a des chrétiens qui mettent la vérité en haut de l'unité, mais il y a des chrétiens qui mettent l'unité en haut de la vérité. Et c'est aussi mal! Il y a des chrétiens qui disent Non, non, nous, ce correct, c'est en autant que aies Jésus. La Bible enseigne que ça prend un petit peu plus que ça. Jude 3 nous dit de combattre pour la foi que nous avons reçue. Vous savez, moi, quand des gens me disent Notre unité est en Jésus seul je dis Amen mais encore faut-il savoir de quel Jésus on parle. L'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs conceptions de, de conceptions de Jésus, plusieurs Jésus. Des fois, j'entends des gens parler de Jésus. Et pardonnez-moi, mais ce n'est pas le Jésus que je connais, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Donc, il y a deux dangers qu'on veut éviter, qu'on veut éviter alors qu'on parle des croyances qui ont préservé l'unité de l'Église. Sectarisme, le minimalisme, en fait, portant à ce que nous voulons, c'est l'unité et la vérité. Est-ce que je peux entendre amène Maintenant, dans toutes nos croyances, on va les trier en trois catégories. C'est la Bible qui nous enseigne à le faire. Il y a premièrement des dogmes non négociables. Il y a deuxièmement des doctrines débattables et il y a troisièmement des convictions variables. Comme dit cette vieille ce, ce vieux dicton chrétien. Au portail, dans les choses essentielles nous avons l'unité, dans les choses non essentielles nous avons la liberté, en toutes choses nous avons la charité. La première chose, frère sœur, au portail, et pour chaque chrétien, il y a des dogmes non négociable. Il y a des choses au portail sur lesquelles nous ne bougerons pas. Je sais que y a toutes sortes de gens qui écoutent, il y a des gens même pour ça, tu te pas ça, qui ne se considèrent pas chrétiens, et je veux juste dire, dans un monde où on est ouvert à tout, nous sommes ouverts, mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes très, très, très étroits d'esprit. Et il y a des choses qui sont non négociables pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le cas du christianisme. Vous savez, on, on, sur le marché noir, on peut vendre un œil. On, il paraît qu'un œil, ça vaut 5 000 Tu peux vendre un rein, c'est 40 000 euh, Je pourrais vendre différentes choses, mais je ne peux pas vendre mon cœur. C'est non négociable. Si je vends mon cœur, c'est la fin de ma vie. Église, il y a des choses, il y a des doctrines, des vérités qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas laisser aller. Parce que si on laisse aller ces choses, c'est la mort de l'Église, c'est la mort de l'Évangile. Ce sont des choses qui ont été défendues depuis 2000 ans. L'apôtre Paul, toujours dans Timothée, va répéter à plusieurs reprises, Cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Et quand tu regardes au, au contexte, quand Paul parle des choses certaines et dignes d'être pleinement reçues, il parle des vérités essentielles pour le salut. Frères, sœurs, les vérités pour lesquelles nous combattons, les vérités pour lesquelles nous ne plairons pas, pleurons pas genoux devant la culture, sont des vérités... Desquelles dépendent le salut. Ce sont des vérités essentielles au salut. Et là-dessus, nous ne bougerons pas, nous ne pouvons pas bouger, l'Église n'a pas bougé depuis 2000 ans, et portail ne commencera pas maintenant. Pourquoi? Parce que ce sont des vérités qui distinguent le christianisme. Comment le, le, les Français ont perdu le Québec aux mains des Anglais? Un endroit, les plaines d'Abraham. Il y a des champs de bataille névragiques. Il y a des items, des, des convictions chrétiennes qui sont continuellement attaquées par la culture. Et ça, c'est le signe que ce sont des choses non négociables. La culture n'attaquera jamais des choses secondaires dans l'Église. Elle va toujours attaquer ce qui est fondamental. Le diable va toujours vouloir emmener l'Église dans le compromis de ce qui est fondamental. Et quand on regarde la parole de Dieu, selon moi, il y a quatre dogmes. Non négociable. Le premier dogme, c'est nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen? Nous ne pouvons pas céder là-dessus. La Bible est la parole de Dieu, c'est une vérité non négociable. Si nous laissons aller la parole de Dieu, si nous cessons de déclarer que la Bible, la parole de Dieu, si nous cessons de l'honorer dans nos vies, de la méditer, jour après jour, nous perdons tout. Parce que nous tombons dans le premier péché, Genèse 3, où le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit Si ce livre n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous dit qu'un Dieu Si ce livre n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous dit qu'il a un Dieu glorieux, qu'est-ce qui nous dit que t'es es pécheur, que tu as besoin d'un Sauveur? Qu'est-ce qui nous dit que l'enfer existe? Qu'est-ce qui nous dit qu'il y a un jugement dernier? Qu'est-ce qui nous dit que Jésus revient bientôt, qu'il fait toutes choses nouvelles? Si nous n'avons pas cette conviction que la Bible est la parole de Dieu, frère, sœur, l'Église n'est plus rien. Donc, je déclare, c'est un dogme non négociable, c'est pas Guéta Brassard qui dit, ça fait 2000 ans que l'Église le dit. Vous savez, souvent, les non-chrétiens se moquent des chrétiens en disant qu'on se confie dans un livre un peu comme. On se confie dans un conte de fées. J'aime beaucoup ce qu'un ce qu homme a écrit. Certains disent que le christianisme est un conte de fées pour les gens qui ont peur du noir. Hein, ça on va dire les chrétiens, tu as besoin de béquilles. Le christianisme, c'est un conte de fées pour les gens qui ont peur du noir. Lui, il dit, je réponds que l'athéisme est un conte de fées pour les gens qui ont peur de la lumière. Le chrétien n'a pas peur de la lumière. Le chrétien n'a pas peur de la parole de Dieu qui lui dit qu'il est pécheur, qu'il est corrompu, qu'il est un cas désespéré, qu'il a besoin d'un sauveur. Les chrétiens n'ont pas peur de se faire dire le diagnostic de sa maladie parce qu'ils savent que Jésus le remède. Le deuxième dogme non négociable, c'est la Trinité. Vous savez, ça a été très populaire dans certaines églises, le modalisme. Teddy Jakes a modaliste pendant longtemps. Il s'est repenti, il est maintenant trinitaire. La Trinité, c'est fondamental. Ça fait encore une fois 2000 ans que les chrétiens déclarent qu'il y a un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, ce qui est très populaire dans les églises évangéliques, c'est qu'on va dire qu'auparavant, il, il, il y avait le Père, maintenant il y a 2000 ans, il a pris la forme de Jésus, maintenant il prend la forme du Saint-Esprit. Non, on perd le salut. Lorsque Jésus s'est incarné, c'est encore une fois la Trinité n'existe pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, ce verset-là disparaît. Si la Trinité n'existe pas, quand Jésus est mort à la croix, c'est Dieu qui est mort à la croix. Si la Trinité n'existe pas, Jésus présentement n'est pas en train d'intercéder pour moi, Jésus ne revient pas. S'il y a un seul Dieu en trois formes et que si Jésus revient, ça veut dire que le Saint-Esprit ne va nous quitter parce qu'il peut pas être à deux endroits en même temps, frère, soeur. Le fait que nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité relationnelle, je le répète souvent pourquoi parce que c'est fondamental. Si on parle de la Trinité, on parle de salut. C'est non négociable. Troisièmement, l'humanité, la pleine humanité, la pleine divinité de Jésus. J'ai besoin que Jésus soit comme moi. La Bible dit n'avons pas un grand prêtre incapable de, incapable de compatir à nos souffrances. Mais j'ai besoin que Jésus soit comme moi, mais soit pas exactement, soit pas totalement comme moi. Pourquoi Parce que le salut vient de Dieu. Jésus ne peut pas être seulement un homme parce qu'il peut pas sauver l'humanité. Puis il ne peut pas être seulement Dieu parce qu'il ne peut pas compatir, il peut pas payer pour nos péchés. Frère, sœur, le fait de dire que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, encore une fois, c'est non négociable. Puis finalement, le salut par grâce est non négociable. La justification par la foi est non négociable. Ça veut dire qu'on est sauvé, on fait la paix avec Dieu par la croix de Jésus, par notre foi en lui, seulement pas par nos œuvres. Nous avons besoin. Pourquoi au portail on parle de la grâce? On prêche la bonne nouvelle de la grâce? Parce que si on le fait pas, nous sommes rien. Le christianisme n'est rien. Ce qui est grand, le christianisme unique, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Sans le salut par grâce, nous sommes seulement des religieux qui tenteraient, un peu comme l'image des musulmans, de la balance, où tu mets tes bonnes œuvres, tes bonnes œuvres, tes bonnes œuvres. Le problème, c'est que tu fais tellement de péchés, que le poids est tellement lourd que tu dois tellement faire de bonnes œuvres, tu n'y arrives pas et on passe notre vie à vouloir gagner notre ciel pour finalement tout perdre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a gagné notre ciel pour nous. J'aime ce que Martin Luther, celui qui a ramené ce dogme de la justification par la foi, qui a toujours été présent dans l'histoire de l'Église, voici ce que Luther va dire. Quand je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je peux être perdu. Alléluia. Renier ces quatre vérités, c'est renier la Bible, c'est renier Jésus, c'est être un hérétique. Attends, je veux juste dire, avant d'appeler quelqu'un à côté de toi, un frère ou une soeur hérétique, un hérétique, ce n'est pas un dogme qui n'est pas affirmé, mais c'est un dogme qui est renié. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Plusieurs personnes ont été baptisé dans la dernière année ou dans les dernières années. Et pour bien pour s'assurer que tu comprennes bien c'est quoi le baptême, on te pose des questions, on te demande qui est Jésus pour toi. On te pose la question, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, pourquoi, quand Dieu va te poser la question, pourquoi je devrais te laisser entrer dans mon ciel, qu'est-ce que tu vas répondre? Parce qu'on veut s'assurer que tu comprennes que Jésus est Sauveur et Seigneur, on veut s'assurer que tu comprennes que le salut n'est pas par tes œuvres, le salut par grâce. Mais la réalité, lorsqu'on te pose ces questions-là, souvent tes réponses ne sont pas totalement théologiques, ne sont pas parfaites, parce qu'encore une fois, tu arrives dans la foi, puis tu, même des chrétiens de 20 ans, Souvent, c'est comme on n'est pas capable d'articuler ces grands concepts parfaitement. Le problème, ce n'est pas, pas de ne pas être capable de les affirmer. C'est lorsqu'on te les présente, de dire moi, je ne crois pas à ça. Le problème, c'est si tu m'entends parler de ces quatre dogmes, puis en un des quatre, tu dis non, moi, je rejette ça. Là, tu es ce que la Bible déclare un hérétique. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rejeter l'une de ces quatre vérités en gardant Jésus, pas en gardant la parole de Dieu. Donc, frères, ça, nous avons besoin de courage, de défendre ces vérités non négociables dans les temps dans lesquels on est. Il y a eu un concile au 14e siècle qu'on appelle le concile de Nicée. C'est là qu'on a, qu a vraiment articulé la doctrine de la Trinité qui avait toujours été là, mais qu'on s'est dit, étant donné qu'il y avait tellement de contestations, toutes sortes de croyances bizarres qui circulaient sur Jésus, on s'est dit, on a besoin de préciser ce que la Bible dit. Et quelqu'un, un historien, nous a dit que sur les 318 personnes, donc les 378 pasteurs théologiens qui se sont présentés à ce concile, au-delà de 300, il leur manquait un œil, s'était fait couper une main, boitait. Pourquoi la quasi-totalité avait été persécutée pour leur foi? Ces hommes qui sont venus déclarer qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, sont venus déclarer que Jésus est Sauveur, Seigneur, totalement homme, totalement Dieu, ces hommes, ce n'était pas seulement une croyance intellectuelle, c'était leur vie. Ils ont été persécutés, charcutés pour continuer à prêcher ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans les temps dans lesquels on est, frères et sœurs, nous ne reculerons pas sur ces éléments. Ce que je peux entendre, Alléluia, Seigneur, fais-nous grâce. Et ça amène à la deuxième catégorie, les doctrines débattables. Donc, dans le triage, quelquefois, tu as quelqu'un qui arrive, fracture du crâne, OK, c'est non négociable. Tu as quelqu'un qui s'est cassé le doigt. OK, on comprend que ça fait mal, mais ta vie n'est pas en jeu. Et deuxièmement, ces doctrines débattables sont des vérités non essentielles au salut, mais importantes pour la santé de l'Église. C'est quelqu'un qui a dit Une mauvaise doctrine est comme un pneu crevé. Tu n'iras pas loin si tu ne changes pas. Donc, dans ces doctrines, dans tout ce que les chrétiens croient, beaucoup de choses qu'on croit ne vont pas influencer directement notre salut. Mais vont influencer notre pratique et la santé de l'Église. Donc, elles sont importantes. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas essentielles au salut qu'elles sont insignifiantes. Tout ce que la Bible enseigne est important. Et Jésus a dit qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont plus importantes que d'autres. Donc, elles sont débattables. Pourquoi? Parce qu'on peut être en désaccord et unis. OK, il y a plusieurs personnes, c'est miraculeux, qui se joignent au portail pendant la pandémie. Et, et j'ai besoin de préciser comment nous vivons l'unité au portail. Vous savez, au portail, il y a des gens, nous sommes unis sur le fait que tout a toujours rapport avec Jésus, mais plusieurs personnes adhèrent à des doctrines différentes. Par exemple, au portail, on a des gens qui, qui croient que ce qui est le plus significatif dans le salut, c'est le libre arbitre de l'homme. On a d'autres au portail qui croient, par contre, non, ils croient à la prédestination, ils croient que ce qui est le plus important dans notre salut, ce n'est pas notre décision personnelle, c'est l'œuvre miraculeuse de la grâce. Maintenant, au portail, nous avons des gens qui défendent ces deux doctrines. Mais, tous ensemble, nous déclarons le salut par grâce. Il euh, y a des gens au portail qui, qui adhèrent au parlant en langue, qui parlent langue, en langue dans leur vie de prière. Il y en a d'autres qui sont des sécessionnistes qui viennent de milieu où ils disent que les dons spirituels ont cessé. Différentes doctrines, mais nous croyons tous à l'œuvre réelle du Saint-Esprit concrète dans nos vies au quotidien. Il euh, y a différentes positions au portail sur le ministère de la femme. Il y a des gens qui croient qu'une femme peut être pasteur. D'autres qui croient qu'une femme peut être pasteur, mais pas prêcher. D'autres croient qu'une femme peut prêcher, mais être leader. D'autres croient qu'une femme doit rien faire. Euh, différentes portions. Mais nous sommes tous des complémentaristes. Nous croyons tous que Dieu a un rôle pour l'homme et la femme dans l'Église et à la maison. Il y a différentes positions sur le millénium. Il y a des gens au portail qui croient que Jésus revient avant le millénium. Il y a des gens qui croient que Jésus revient après le millénium. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de millénium. Mais peu importe, nous sommes tous d'accord que Jésus revient bientôt. Donc, tu vois, ce sont des doctrines débattantes. Elles sont importantes, mais ça n'entrave pas notre unité globale. D'ailleurs, le portail. Nous faisons partie d'une famille d'églises qui s'appelle l'Association chrétienne de la francophonie, qui est composée d'églises très, très, très différentes, qui ne croient pas du tout la même chose. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Jésus est Sauveur et Seigneur, nous sommes d'accord sur les dogmes que j'ai présentés, et nous sommes d'accord sur l'importance, la nécessité de faire la mission au Québec afin que des gens viennent à Jésus. Vous savez, notre unité chrétienne dépasse quelquefois les frontières de nos dénominations. Et quelquefois, même dans la même dénomination, dans le même mouvement, l'unité s'arrête. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des évangéliques, je vous ouvre mon cœur, il y a des évangéliques avec qui je ne veux pas être uni. Pourquoi? Des évangéliques qui défendent les dogmes, mais la Bible dit qu'il y a trois, raisons qui peuvent, trois choses qui peuvent briser l'unité chrétienne. L'hérésie, mais ce pas tout l'immoralité et l'illégalité il y a quelque temps j'ai un de mes amis pasteurs qui m'a demandé de, de rencontrer une jeune femme qui était nouvelle croyante puis euh, elle posait des questions sur la foi puis je décide de la rencontrer puis je l'encourage puis elle me pose des questions puis elle marchait dans une église elle fréquentait une église puis elle me pose la question qu'est-ce que je vais à telle église qu'est-ce que tu penses Et, et c'est une église qui, qui, qui avait une très 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 mauvaise réputation au Québec. Tout le monde connaissait cette église. Les pasteurs, on se parlait de cette église. C'est une église qui était dans son coin, mais qui faisait des choses euh, pas très, très légales. Il y a des gens qui ont quitté cette église, qui sont arrivés au portail. On, on entendait des choses. Et là, moi, je suis un peu coincé parce que j'ai une brebis. En même temps, je veux pas discréditer le nom de Jésus. Je veux pas... Je lui ai juste dit... Tu sais, on entend des choses à, à toi de voir, mais on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je te dis, je te dis simplement qu'il y a de la fumée. Je ne peux pas t'en dire plus. Il y a de la fumée. Le pasteur de cette église est venu me voir fâché, fâché en colère, me disant que j'aurais dû préserver l'unité, que je ne devais pas faire ça. Puis, puis je lui ai dit, mon ami, ce que vous faites, là, vous, êtes, vous êtes dans l'immoralité, dans l'illégalité. Selon la parole de Dieu, la parole de Dieu vous condamne. Je ne peux pas m'unir avec ce que la parole de Dieu condamne. Vous savez, des bons évangéliques, mais de l'autre côté, il y a des gens, quelquefois, qu'on ne on, on devrait pas être unis, puis on se rend compte qu'on va, va être au ciel avec eux. J'ai un ami, c'est un prêtre catholique. Il va se reconnaître, je le salue. Il est, il est un prêtre à Montréal, et dans les dernières années, il a commencé à écouter les messages du portail. Puis c'est un, un homme, c'est un prêtre qui a fait de grands séminaires, mais qui a soif de la parole de Dieu, qui a soif de Jésus. Puis il m'a demandé, il dit, Gaétan, il dit, moi j'aimerais ça quand il a appris que je formais les pasteurs à la prédication christocentrique, puis il me dit, est-ce que je pourrais assister? Parce que moi j'aimerais ça, lorsque je donne la messe, puis je fais l'homilie, j'aimerais ça faire une homilie christocentrique. J'aimerais ça que la messe, dans ma paroisse, qu'elle ait tout toujours rapport avec Jésus. Quelqu'un devrait dire, alléluia. Donc, un prêtre catholique, un pasteur évangélique... Mais les deux, on croit que la Bible est la parole de Dieu. Les deux, on croit que Jésus est Sauveur et Seigneur. Les deux, on croit un Dieu trinitaire. Encore une fois, c'est un frère dans la foi. Donc, notre unité dépasse les étiquettes. C'est au niveau des dogmes. Et il y a troisièmement, et c'est là, là le problème, dans le triage, il y a quelquefois des gens qui ont un cancer incurable, quelquefois une maladie grave, puis il y a des gens qui arrivent avec un mal de tête. Et c'est la troisième catégorie. Il y a non seulement des dogmes non négociables, il y a des doctrines débattables, il y a des convictions variables. Donc, c'est des opinions personnelles et culturelles que la Bible parle pas beaucoup ou parle peu. Je mets là-dedans, je reviens pas, là, je reviens pas sur le sujet, mais je mets là-dessus toutes les, les conceptions qu'on peut avoir sur les complots. Je mets ça là-dedans. Euh, position sur l'alcool. Certaines conception, croyance, le combat spirituel qu'on ne peut pas vraiment appuyer dans la Bible, mais qui relève plus de la culture que de la parole de Dieu. Je mets ça là-dedans. Je parlais des tattoos tout à l'heure, je parlais des boucles d'oreilles. Bon. Et tous les sujets tertiaires, je les mets là-dedans. Donc, des sujets, des convictions personnelles, on ne va pas se diviser là-dessus. On peut être en désaccord. Maintenant, il y a trois choses que tu dois apprendre à faire. Trois, premièrement, tu dois apprendre à trier tes convictions. Écoute-moi bien. Dernier point, tu dois apprendre à trier tes convictions. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit, et l'apôtre Paul le répète deux fois, tout m'est permis, mais tout n'est ne pas utile. Je me laisserai servir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Exemple, cas de figure. Pour des questions que j ai, on me posait dernièrement. On m'a posé des questions, on m'a dit, Pasteur Gaétan, est-ce qu'un chrétien peut fumer la cigarette? Pasteur Gaétan, est-ce qu'un chrétien peut consommer du cannabis? Pasteur Gaétan, est-ce qu'un chrétien peut fumer le cigare? Je donne un exemple, puis tu pourrais l'appliquer à ta vie. La cigarette, tous mes permis. Mais je ne tous mes permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que la cigarette est utile? Bon, ceux qui fument vont dire, oui, ça m'est vraiment utile, ça m'empêche de tuer quelqu'un. La parole de Dieu dit, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Le problème avec la cigarette, c'est qu'elle t'a servi. Euh, on continue, quelqu'un pourrait dire, le cannabis, c'est exactement la même chose. Le cannabis, puis on, on a une position qu'on a établie au portail pour dire que le cannabis, un chrétien ne devrait pas fumer du cannabis pour cette raison-là et beaucoup d'autres raisons. Certains vont dire ah, Tu fais quoi avec le cigare Spurgeon, qui est considéré comme le plus grand prédicateur de l'histoire de l'Église, fumait le cigare. Je connais des chrétiens qui fument le cigare. Ils vont dire Je respire pas. Donc, je j'ai pas de dépendance. Pas... Bon, c'est à la discrétion de chacun. J'ai vu par contre une femme, qui condamnait son mari qui fumait le cigare pendant qu'elle lisait 50 nuances de gris. Donc, il faut faire attention. Avant de dénoncer le péché des autres, il faut regarder dans nos propres vies. Donc, tu dois te poser la question cette conviction, cette pratique, ou peu importe, est-ce que c'est utile Est-ce que ça m'a servi Donc, tu dois premièrement trier dans ta propre vie. Deuxièmement, quand tu regardes aux autres, tu dois repousser les débats inutiles. OK. Ce n'est pas parce que tu peux débattre que tu dois débattre. Georges Saint-Pierre, tout le monde connaît Georges Saint-Pierre, qui est un des plus grands champions de, de, de combat ultime, raconte que lorsqu'il allait dans les endroits, dans les bars, tout le monde voulait se battre avec lui. Maintenant, Georges Saint-Pierre, honnêtement, comment est-ce qu'on dit donner une volée en hébreu? Georges Saint-Pierre pourrait battre n'importe qui. Mais ce n'est pas parce qu'il peut se battre que ça vaut la peine de se battre. En fait, le plus fort est souvent celui qui refuse de se battre. Je fais une, une application. Moi, je vois des gens quelquefois sur les réseaux sociaux qui me cherchent. Je vous ouvre mon cœur. Des fois, des gens qui m'insultent gratuitement. Je veux rester gentil, je veux rester poli. Puis là, là on m'insulte, on m'insulte. Puis je sais très bien, j'ai une phrase assassine qui me permet de gagner le débauche. Je suis le Georges George Saint-Pierre, Christocentrique du Québec. Mais je me dis encore une fois, ce n'est pas tout la vérité, la vérité chrétienne. L'attitude chrétienne, elle est importante. Donc, j'apprends à laisser couler. Donc, tu as un beau frère qui a une conviction, tu as une belle sœur, un frère. Une... Frère, sœur, il faut apprendre à laisser couler. La Bible nous dit de repousser les discours vides et profanes, les discussions folles, les débats sans fin. Il y a des choses, on doit s'encourager dans la parole de Dieu, mais encourageons-nous dans l'essentiel. Puis le reste, arrêtons de chicaner pour des choses que la Bible ne parle pas ou parle peu. Pourquoi? Parce que, troisièmement, et là j'arrive à un sujet très chaud, on doit préserver notre voix prophétique. Le drame de notre époque, reste avec moi, j'ai presque terminé, puis j'ai deux sujets très très chauds qui s'en viennent en terminant. Le drame de notre époque, et qu'au lieu de confronter la culture sur des principes bibliques fondamentaux comme la théorie des genres ou la justice biblique, par exemple, nous préférons débattre entre nous de croyances évangéliques marginales sur la place biblique. J'en ai nommé plein, là. En 2021, les chrétiens ont débattu de toutes sortes d'affaires secondaires, et quand le monde nous voit débattre entre nous de choses secondaires, il ne, écoute, il ne nous écoutera pas lorsque nous parlerons de choses prioritaires. Il y a deux éléments présentement dans notre culture. Vous savez, chaque génération de chrétiens dans l'histoire de l'Église a eu à confronter la, la, la culture sur des idéologies païennes antibibliques. Puis nous en avons deux présentement. Puis je le dis avec beaucoup de respect. Dans les temps, les temps dans lesquels on est, même de faire ce que je fais peut me mettre dans le trouble. Mais je veux le faire avec sobriété selon la parole de Dieu. J'en ai déjà parlé. Cette théorie de l'identité des genres avec toute la compassion. J'en ai déjà parlé de compassion pour les gens qui, qui ont une difficulté au niveau de l'assignation du genre. Puis compassion, 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 compassion. Je ne vise pas des gens, je vise des idéologies. Il y a une incohérence dans notre culture. Lorsqu'on dit par exemple que, en tant que blanc, je ne peux pas faire de l'appropriation culturelle, puis je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire si j'arrivais un dimanche matin puis je ressemblais à Bob Marley, puis je parlais avec un, comme Bob Marley, avec un accent jamaïcain, c'est mal appropriation culturelle. Mais on me dit par contre que je peux faire une appropriation sexuelle de la jante féminine. Je ne peux pas revendiquer d'être un Jamaïcain, la culture va me condamner, mais si je revendique d'être une femme, la culture va m'applaudir. Au Québec, je peux me présenter dans une école, je ne peux pas me présenter avec une croix, parce que c'est un signe ostentatoire pour être dans une société laïque. Mais ça en tant qu'homme, le lendemain, je ne mets pas ma croix, mais je mets des talons hauts, on va m'applaudir. Il y a une incohérence au niveau de l'idéologie culturelle. Donc, je crois qu'on est capable d'avoir la compassion pour les gens qui souffrent, en même temps de regarder aux idéologies derrière, les réponses qu'on amène, qui ne sont pas toujours les choses les plus cohérentes. Pourquoi c'est important, les définitions traditionnelles du mariage de l'homme et de la femme? Parce que c'est lié à l'Évangile. Éphésiens 5.32 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église, et c'est lui-même livré pour elles. » Dieu a donné le mariage pour illustrer la relation de, euh, de Jésus, entre Jésus et l'Église. Si on perd les gens, si on est se assigne, s'il si n'y a plus homme-femme, mais nous sommes tous binaires ou peu importe, et il n'y a pas de complémentarité entre un homme et une femme, nous perdons ce que Jésus fait. Ce n'est pas une question d'être intolérant, ce n'est pas une question d'être fermé. C'est une question de réaliser que fondamentalement, le mariage illustre l'œuvre du salut. Donc, ce n'est pas une question, ce n'est pas la culture qu'on vit, c'est qu'on on, on attaque Jésus lorsqu'on dit que les gens n'existent pas et qu'il n'y a pas de complémentarité. Donc, c'est le premier problème. Et je pense que les chrétiens, nous allons avoir beaucoup de difficultés dans les années à venir parce que la culture va à fond là-dedans. Donc, je pense qu'il y a un message. Le message biblique demeure pertinent. Deuxième message, la justice biblique. OK. Je suis de ceux qui croient que l'Église doit être artisan de la justice sociale. J'ai mentionné qu'il n'y a pas que Jésus est venu pour nous donner une justice légale, c'est-à-dire nous déclarer juste devant Dieu. Le Saint-Esprit nous amène. Une justice euh, morale, c'est-à-dire à ressembler à Jésus, puis notre comportement autour dans nos relations, c'est une justice sociale. Je suis un des pasteurs qui, il y a déjà deux ans et demi, a déclaré que moi, je reconnais qu'il y a un privilège à être blanc. C'est plus facile d'être blanc au Québec, que ce soit pour louer un appart, peu importe. Je suis également un des pasteurs qui reconnaît le racisme est systémique, pas systématique, systémique. Euh, pourquoi? C'est le monde. La Bible parle du monde qui est le système du diable avec des injustices. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, je vais m'adresser à mes frères et mes sœurs plus militants, notamment des gens qui ont peut-être une formation en sciences humaines à l'université. Nous avons besoin, je pense que deux problèmes présentement dans l'Église en général, c'est que des gens qui sont à fond justice sociale, selon comme l'idéologie séculière, puis il y a des critiques qui n'en parlent pas, qui ne veulent pas en parler. Je pense que nous ne devons pas plaquer la justice séculière à l'Évangile. D'ailleurs, la justice séculière, l'idéologie séculière, s'est inspirée de la justice biblique. Quand Martin Luther King dit que la justice coule comme des torrents, c'est Amos qui le dit. Donc, nous devons revenir à la source. Et pendant deux minutes et demie, permettez-moi, puis il y a des gens qui m'écoutent, tu vas dire, wow, là, c'est un langage que j'ai la difficulté assimilée. Mais c'est important, surtout dans un message comme celui-ci. Je veux m'adresser aux gens qui se connaissent un peu plus. mais On va parler d'idéologie au niveau de la justice sociale. Tout le mouvement, encore une fois, Black Lives Matter, ce qui vient, puis je l'ai dit la vie des Noirs compte. Il faut comprendre l'idéologie derrière ça. Pourquoi, on, quand on va sur le site, c'est aussi lié à LQGBT, etc., c'est l'idéologie que j'ai mentionnée. Donc, les, les idéologies culturelles ne sont pas en silo elles, elles se contaminent. Et c'est important de comprendre, lorsqu'on fait la justice biblique, de comprendre la différence entre la justice biblique et la justice sociale. La première différence, c'est que le chrétien ne peut pas adhérer à une vision binaire du monde entre oppresseur et opprimé. Le monde n'est pas séparé en deux catégories. La Bible dit que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, la justice sociale séculière va dire que le problème, ce n'est pas l'individu, c'est les structures, c'est le système. D'où l'origine du racisme systémique. La Bible dit que c'est n'est pas le système qui influence l'individu, c'est l'individu qui influence le système. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs. La solution à la justice sociale, ce n'est pas des nouveaux programmes, c'est un cœur nouveau. Ça commence par l'individu. Et ça amène en, en même temps toute la dimension d'intersectionnalité. Pour nos amis qui sont moins familiers, l'intersectionnalité, c'est. On va dire que les gens qui sont opprimés, la vérité est chez les gens qui sont opprimés. Encore une fois, il faut qu'on comprenne que la justice sociale vient d'une idéologie séculière, qui est la théorie critique, qui est en plein dans le relativisme où la vérité est partout, il n'y a pas une seule vérité. Si on accepte cette vision du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'homme blanc de 45 ans, hétérosexuel, je n'ai plus d'autorité. En tant que pasteur, je n'ai pas d'autorité. Une lesbienne autochtone handicapée a plus d'autorité parce qu'elle a été plus opprimée que moi. Est-ce que nous croyons vraiment que la vérité est chez la personne qui souffre le plus? La vérité, ce n'est pas notre expérience, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a des implications idéologiques aux grands mouvements culturels. Et les chrétiens doivent être, doivent être prudents alors qu'on veut prendre position pour la justice sociale. Il faut faire attention de ne pas être contaminé par des idéologies païennes séculières. Et une des choses qui me dérange le plus avec okay, avec, avec ce mouvement séculier, euh, qui, qui est pas, je ne parle pas au niveau des tensions raciales, je parle en général, là, je parle de la culture. Moi, je suis content du mouvement MeToo, je suis content des dénonciations, je suis content. Que des hommes qui se comportaient comme des porcs soient dénoncés, soient emmenés en cours. On est pour la vérité, pour la, juste, la justice, la sainteté. Par contre, ce que je vois dans notre culture, c'est qu'il y a zéro possibilité de restauration. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Les chrétiens, la Bible nous dit de faire grâce comme Dieu nous a fait grâce. Un des problèmes présentement avec tout ce mouvement d'idéologie critique, c'est qu'il est sans grâce. C'est un mouvement, on le voit avec la, la culture du bannissement. Avec les chrétiens sont les premiers à déclarer que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous reconnaissons le péché du racisme et de l'injustice, mais du même souffle, nous déclarons que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, je crois qu'il y a des sujets tellement sérieux que l'Église doit aborder. On commence à le faire. Mais, frères et sœurs, faisons attention de ne pas contaminer que nos convictions ne soient pas contaminées par toutes sortes de choses. Quelquefois, la culture nous apprend des choses bénéfiques des choses dans la culture, mais encore une fois, tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus doit demeurer le centre de ce qu'on fait. Et je termine avec ceci. Donc, l'antidote à la maladie des débats, c'est de réaliser qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. Lorsqu'on va se présenter devant Dieu, lors du jugement dernier, est-ce que Dieu va te poser la question, est-ce que tu as été vacciné? Est-ce que tu as voté pour Trump? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu crois au Millenium? La seule question qu'on va nous poser, c'est qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Puis ce que tu as fait de Jésus détermine ce que tu as fait de Dieu et ce que tu as fait de la parole de Dieu. Tu savais que la seule prière non exaucée de Jésus, c'est celle de Jean 17-21. Lorsqu'il a prié pour l'unité de l'Église, on nous dit, c'est Philippe qui dit,